Gagné une mésentente entre Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et président américain Joe Biden sous un plan cessez le feu. Et puis dans ce sport officiel, international français Kylian Mbappé pourra le passer 5 prochaines saisons dans Real Madrid. Nouvelle a tombé dans le moment que Real Madrid a fêté 15e titre après victoire dans la finale Ligue des Champions devant Dortmund 2-0. Et oui, c'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment mais actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'autre fois encore sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui à côté nous rentrer la caillou le 4 juin 2024 avec une édition La Voix de l'Amérique tout neuf que nous portons pour vous. Dans l'autre grand programme de mini actualité à nous porter pour vous, nous avons d'après des voyageurs haïtiens qui ont passé le pays les États-Unis et bien pour eux-mêmes rentrer en République dominicaine et ils ont fin planifié voyage et bien pour aller en République dominicaine week-end passé et bien les eux-mêmes d'après le agent immigration aéroport dit yo pap capable aller en République dominicaine malgré yo gen résidence à pays États-Unis rete branché pour le jeune plus détail. Biden signe un décret pour bail asile avec immigrants qui viennent sous frontière Mexique là illégalement. Yon l'autre côté tout eh bien dans un pays ou bien dans la France yon citoyen 60 dollars l'année l'arrivée recevoir 7 coups de couteau après-midi 1er juin pendant lui-même l'état pral marié cependant jeune fille 25 l'année elle même l'état pral marié. Yon l'autre côté tout dans pays d'Haïti dossier gang yo bagay yo même yo papitil plusieurs bois calibay nèg exam la cause yon camion gaz a prend di fik a fo aéroport journée mardi hier mardi après-midi là eh bien détail yo même yo papitil dit tout dans Port-au-Prince eh bien pile marchandise a passé en bas flamme di fait tout dans marché communal la Gonaïve là rete branché pour ça plusieurs l'autre nous porter pour dans édition nouvelle ça mais avant même nous rentrer dans presse cap de min actualité pas oublier abonnez-vous avec channel là activez la cloche notification mettez-le sur l'installation Premier ministre Gary Conille dans villa d'accueil remise ampliation ça déroulé dans une cérémonie tout court et Konya et Premier ministre Gary Conille a paré pour former un gouvernement dans tête collée avec conseil présidentiel transition selon accord même que otessien et c'est pour dire que monsieur Conille rivé dans pays dans weekend là et il était grand affaire un virer dans quelques quartiers dans capitale là avec il était gain avec et directeur général police nationale là France LB nous va rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui gain détail. Premier ministre Gary Conille rivé samedi que se passe là dans pays d'Haïti en provenance États-Unis pour assurer nouvelle fonctionner divers hauts dignitaires t'a accueilli Gary Conille dans l'aéroport international tout en ouverture dans Port-au-Prince parmi eux Michel Patrick Boisvert premier ministre pour un petit bout de temps. Conille et Boisvert organisé une réunion privée dans salon ambassadeur terminal là quelques jours après arrivée dans capitale haïtienne docteur Gary Conille terrain sur terrain à dimanche 2 juin. Nouveau locataire primatier a visité plusieurs quartiers dans la ville de Port-au-Prince, notamment dans la zone de l'hôpital général avec les jeunes filles dans la rue Capoua. Objectif là, c'est pour évaluer la situation dans certains quartiers dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, selon un membre équipe Premier ministre, constatrice en pile dans la zone en bas la ville. Yon source, nous capables de faire confiance, fait connaître tout. Premier ministre a rencontré divers secteurs qui liés à Conseil présidentiel de transition dans l'idée pour mettre sous pied pressé cabinet ministériel là. N'a pas appelé dans premier message lié avec peuple haïtien. Premier ministre Gary Conille va garantir qu'il va faire tout ça qui est possibilité pour transition capable de réussir pour restaurer institution démocratique dans délai à 3 avril la prévoit. Nouveau premier ministre là en prend fonction officiellement dans jour qui va venir là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Emmanuel. Pendant ce temps, il y a une coalition sociopolitique qui regroupe environ une trentaine d'organisations mandées pour Premier ministre Gary Conille prendre toute disposition pour faciliter déplacer, retourner la caillou pendant qu'il plaide en faveur d'une restructuration du Conseil national désarmement et réinsertion pour résoudre le problème insécuritaire. Nous avons des détails avec Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Plus passé, il y a une trentaine d'organisations sociopolitiques parmi eux, regroupement à viser des jeunes intellectuels, réseau national citoyen engagé, CRI national. Jeunes démocrates en lutte pour intégration sociale avec divers lots qui regroupaient tête yo en bas chapeau coalition mobilisation populaire KMP présenté lundi 3 juin 2024 là yon document proposition accompagnement gouvernemental pour capable résoudre problèmes sociopolitiques et économiques yo notamment problèmes insécurité secrétaire général structure ça mettre Chedli Jean dit proposition hein, pour joindre directement nouveau premier ministre haïtien Gary Conille pendant le profiter plaider en faveur formation yon commission d'enquête indépendante avec vérité sous ensemble Zach Malhonnête qui enregistré dans le pays d'Haïti durant 10 dernières années qui ont passé là. Il y a un point qui est extrêmement important dans la proposition qui c'est une formation de commission, une commission d'enquête et de vérité que le gouvernement a gagné
pour le mettre sous pied, pour capable 10 nations, pour capable 10 pays, sous 10 dernières années qui passent là-haut, sous Zach Bri, Bandai, malhonnête, crime qui commettent dans le pays, pour nous connaître. Qui est-ce qui était auteur, qui était derrière crime ça? Bon côté parle, Casimir Moïse mandé Premier ministre Gary Conille prend toute disposition appropriée pour faciliter tout le monde bandit mette de yo retourner la caillou pendant le plaidé en faveur restructuration CNDDR avec bon Jean Chita parler avec Negame yo pour résoudre problème insécurité. Je dis à la sous dit mon pas tête yo à la caillou, est-ce qu'on voit à la boucherie? De ce fait, nous mandé faut que Chita parler à fait avec bandit yo. Nous même nous pas demander amnistie, c'est l'État qui a connu comment Chita Palé a fait. Parce que lors nos commissions de désarmement et de réinsertion, ou pas seulement désarmer, ou pas réinsérer tout. Ou pas seulement réinsérer tout, ou pénaliser. Ça qui mérite pénaliser, à pénaliser. Ça qui mérite réinsérer, à réinsérer. Ça qui pas de volonté tout pour réinsérer, l'État a connu ça l'a fait avec eux. C'est un dossier à suivre. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, question insécurité a été gros défi pour l'équipe au nouveau Premier ministre et puis pour l'équipe en place. Après, il y a un cadavre coupe missionnaire américain ça, qui a la donne David Lloyd et Nathalie Lloyd, qui était mort en baba gang en Haïti. Eh bien, cadavre retourné à joindre les familles dans l'État Missouri. Parent Nathalie Lloyd a annoncé sur Facebook que cadavre petite fille et beau fils est arrivé vendredi qui se passe là dans la ville Kansas City. Il a transporté cadavre, en parlant de Nathalie avec David Lloyd, la caillou dans une zone rurale. Dans le sud état Missouri, côté funérailles a bien pour dérouler demain mardi. Plusieurs centaines de monde ont assisté à l'enterrement dans l'enterrement et Jude Montis et toi haïtien ça qui était mort ensemble avec couple missionnaire et ben et nous t'es capable de plusieurs milliers de monde qui t'ai assisté à funérailles ça. Assassinat ça a déroulé dans moment Port-au-Prince a souffert avec gros actes violence gang armé qui eux même pas suspend chômé. C'était quelques points cap dominer actualité en Haïti. Nous allons parler de élections dans pays Mexique. Oui, élection historique dans le pays Mexique, côté un candidat gauchiste qui c'est une femme, Claudia Sheinbaum, qui c'est ancien magistrat et ville Mexico, et belle remporté élection présidentielle dans le pays Mexique pour remplacer Mettoli en parlant de Manuel López Obrador. Gentil Augustin Junior, gain détail sur l'élection ça. Que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum remporté un gros victoire pour le vin premier fille président Mexique. Li héritier projet a nan même temps li ak leader sortant Andrés Manuel López Obrador qui gen popularité parmi moun défavorisé yo te contribué nan victoire li. Mentoli te profité féliciter pour victoire ça. Félicito à Claudia Sheinbaum. Moi félicite Claudia Sheinbaum qui gagne avec un gros écart. Li pral premier président femme dans Mexique après 200 ans. En 200 ans. Sheinbaum, yon spécialiste dans affaires climatiques, ancien magistrat ville Mexico, gagne présidence là avec un pourcentage entre 58.3% et 60.7% vote yo. Président Elia te prend la parole pour dire. Notre gouvernement sera honnête. Nous prenons un gouvernement honnête, sans influence, corruption et impunité. Gouvernement nous prenons un rigueur républicain, discipline financière, fiscale et autonomie Banque Mexique. La. Pas prenons une augmentation prix réel pour gaz et électricité. Nous prenons une division nécessaire entre pouvoir politique et pouvoir économique. La. Candidat présidentiel opposition mexicain, Xochitl Galvez, a concédé victoire par président Elia Claudia Sheinbaum jeudi lundi 3 juin 2024. La. Pendant discours, Xochitl il te dit qu'elle était relé pour féliciter Claudia malgré les qualifier processus là comme inégal et qui était chargé avec violence. Hace unos minutos me comuniqué con quelques minutes moi t'ai relé docteur Claudia Sheinbaum pour résultat élection. Moi t'ai dit que moi t'ai wayo Mexique avec en pile douleur avec violence. Moi souhaitais li pral capable résoudre problème grave pèt nous. Bien bonheur plusieurs leaders pays Amérique latine tankou président bolivien Luis Arce, président colombien Gustavo Petro, président vénézuélien lien Nicolas Maduro ak président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez sous compte X yo te félicité élection historique Mexique réalisée ya ak nouveau président Claudia Sheinbaum qui fait l'histoire. Bon côté États-Unis, président Joe Biden félicité Claudia Sheinbaum jodi lundi ya pour élection historique li comme premier président femme nan Mexique. Nan yon note pour la presse que Maison Blanche publié. Président américain dit li impatient pour le travail ak nouveau chef l'État. Nan yon esprit
partenariat ak amitié. Claudia Sheinbaum, c'est première femme président après 200 ans dans Mexique. Mais c'est pas première pour Amérique latine nan. Gen femme qui déjà dirige pays tankou Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Guyane, Nicaragua, Honduras, Équateur, Salvador, Panama, Costa Rica ak Haïti. Et n'a pas rappelé que c'était dans l'année 1953 que femmes mexicaines ont joué droit pour voter. Gagnant élection, pral commencé yon mandat 6 l'année, 1er octobre 2024, kap vini la. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Augustin Junior pour un pile spécialiste son gros page l'histoire qu'a écrit dans pays Mexique ou bien qu'a écrit tout dans Amérique latine ça avec gros victoire féministe qui fait dans pays Mexique. Et puis qu'on a nous parle parler justice aux États-Unis, nous parle parler de ancien président Donald Trump. Ou toujours sous VOA Creole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien, et ben gen et ancien président américain des républicains Donald Trump, il retourne la Cali dans l'État Floride hier dimanche là, après verdict qui condamnait pour 34 cas criminels. Il était parlé avec station télévision et Fox News. Côté, il dit que il OK s'il gagne pour lui aller dans prison. Plus détails avec Valérie Saint-Louis. Donald Trump te dit station télévision Fox News dans une interview qui était passée hier dimanche 2 juin que l'Itaka accepté prison à domicile qui voulait dire pas qu'à quitter la Kaili au soir elle fait tant en prison après verdict condamnation historique ça que un jury dans New York te bali semaine passée mais il ajoute tout que ça t'aka un bagage difficile pour public à accepter. Candidat républicain te dit pendant interview à sous Fox News Network Fox and Friends moi pas gagne droit pas personne pas jamais entendre un bagage comme ça yo servi à ça comme news app et puis son bagage qui très dangereux nous pas jamais gagne bagage comme ça dans pays ici ayo bagage ça dans l'autre pays, dans le pays Amérique d'ici. Léo te demandé s'il t'est inquiété pour s'il t'a recevoir une sentence arrestation à domicile dans le cas New York. Donald Trump te dit moi, ok avec ça. Moi, te vois un avocat mieux l'autre jour dans la télévision qui dit oh non, ou pas qu'à faire président ça. Moi, dit ou pas s'y plier pour rien, ou juste prendre Jean-Lier. C'est comme ça qui arrive. Mais moi, pas qu'on ait si public là a pas accepté ça. Ou qu'on est moi, pas certain que public a d'accord à ça. Moi, pense qu'il est difficile pour public après ça. Ou qu'on est tout bagage et limite. You know, at a certain point, there's a breaking point. Donald Trump pas fin toi élaboré sous ça, t'es pensé qu'il t'a arrivé si y arrivé dans point ça, puis t'a metté en prison. Il programmé pour joindre sentence condamnation li devant juge là dans New York le 11 juillet prochain, 4 jours avant convention républicaine qu'a réuni pour yo finalement choisir comme candidat présidentiel pour faire face carré à président démocrate Joe Biden dans élection novembre. Républicain National Convention nan, à campagne Donald Trump t'es ramassé $70 million dans 48 heures dedans après que verdict là t'es sorti. Jury New York là t'es joint li coupable de 34 accusations criminelles pour faux documents li t'a fait pour couvrir un paiement l'argent pour faire main bouche veut d'être film porno pour éviter un scandale avant élection 2016 yo. Donald Trump promet pour le faire appel contre condamnation ça probablement problème légal ça à résoudre avant élection présidentielle novembre nan. Dans moment que pral chercher reprendre Maison Blanche nan main Joe Biden. Sondage opinion yo montré pour le moment que course électorale a serré entre deux candidats yo. Et sondage aussi géré tout que condamnation ça capable affecter quelques voteurs républicains ou indépendants. Pendant ce temps, ancien président américain Donald Trump est arrivé dans l'État Floride hier dimanche, côté que plusieurs dizaines de supporters ont été accueillis avec pancarte, drapeau et puis ont battu bravo dans l'aéroport West Palm Beach. Supporters ont organisé un rassemblement tout près résidence dans Mar-a-Lago, dans Palm Beach, plusieurs douzaines de machines avec drapeau qui ont klaxonné. Donald Trump toujours a fait face à toi, l'autre cas criminel, bien que n'y ait pas eu de chance d'arriver dans le jugement avant l'élection. Il démenti, dit que n'a pas fait un et mal dans tout cas. Il était qualifié accusation ça de yo complot que démocrate yo fait pour empêcher de participer dans compétition électorale yo. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis et nous allons parler justice encore et jeudi 3 juin 2024 là, gain petit garçon président démocrate Joe Biden en parlant de Hunter Biden qui paraît dans le tribunal pour possession d'armes illégales. Sandra Lemaire gain détail sous information ça. Sélection membre jury pour poser petit garçon président Joe Biden nan, Hunter Biden tombe dans ville Wilmington état Delaware. Première dame Jill Biden t'a accompagné monsieur, elle était chita dans premier rangée tribunal là pour appuyer petit garçon li. Président Biden publié une déclaration côté li dit l'amour pour petit garçon moi pas gain limite. Moi gain confiance dans li et puis moi respecter li pour courage li démontrer. Li ajouté moi c'est président mais moi c'est un papa petit tout. Biden dit qu'il n'y a pas aucun autre commentaire pour le faire sur le dossier. Avocat a posé potentiel juridique question sur le droit pour un monde posséder des armes et puis addiction à la drogue. N'a pas rappelé la justice accusé Hunter Biden d'est-ce que il était bail menti sous document fédéral pour acheter des armes, l'autre dit qu'il n'y a pas d'addiction à la drogue.
Hunter Biden plaide non coupable et les accusé département de justice là lorsque yo ciblé injustement. Potentiel membre jury a à répondre question pour connaître qui ça yo connaît sous dossier a, opinion yo de droit un citoyen gagnant pour posséder des armes et si yo même ou bien on proche yo jam goumé à addiction à drogue, alcoolisme ou bien si yo jam posséder un arme. L'autre question gain pour voir avec rôle politique joué dans accusation ça yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Tout média yo et noté que année ça son année électorale dans plusieurs pays, nous sommes pays élections sont faites dans pays Mexique, mais ici aux États-Unis 2024 là c'est yon année électorale, yon côté que élection pour mettre face à face deux principales partis dans pays a, parti républicain avec parti démocrate. Et jodi on a présenté au parti républicain avec Fred Kaimit et demain on a présenté au parti démocrate là. Je connais parti républicain comme un parti qui est en faveur un gouvernement fédéral qui pipiti avec politique sociale conservateur. Cependant ça pas toujours comme ça. C'est mon nom qui font des partis en 1854 côté Otevli, un gouvernement fédéral qui gagne plus force pour lui camper tête contre l'esclavage qui tape gagné dans l'État l'Ouest. Deuxième candidat pour président dans l'histoire parti, Abraham Lincoln, depuis la présidence en 1860, côté de préserver l'Union et puis abolir l'esclavage. Après victoire noire dans la guerre civile, le parti républicain a dominé la politique pays pour 70 années après. Dans ce ça, parti a défendu l'idée d'un gouvernement fédéral qui gagne plus pouvoir. Les deux partis ont appuyé tout 15e amendement qui garantit droit garçon noir américain pour voter dans le pays. La domination partie a vite perdu force dans l'époque de la crise économique qui était la grande dépression. Les démocrates ont dit que c'est politique pour le business républicain qui l'a cause ça. Pendant 50 années après, c'est les démocrates aussi tout qui contrôlent les politiques nationales, côté si un seul président républicain qui montait dans le pouvoir. Les républicains ont développé une réponse conservateur pour faire face à la démocrate qui a plagié le gouvernement fédéral depuis l'époque de la grande dépression. Changement de stratégie parti a mené un changement côté un pile noir américain avec un parti démocrate là. Et puis blanc dans site là aller dans parti républicain. Dans l'année 1980, le président Ronald Reagan gagne l'élection avec une grande majorité dans le pays grâce à la politique. Dans la dizaine d'années qui sont passées, les démocrates et les républicains contrôlent la présidence là. Président républicain George W. Bush et Donald Trump défendre un rôle même plus petit pour le gouvernement fédéral là et puis avancer plus sous l'aile droite dans la question politique sociale. Voilà, c'était une rubrique sur élection ici aux États-Unis. Donc demain, on a présenté au parti démocrate là avec Fred Kaimit. Nous parlons et actualité concernant région Moyen-Orient côté Israël continue à pilonner Rafah pendant que gagne une mésentente entre Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et président américain Joe Biden. Jean-Robert Philippe, des détails. Plusieurs milliers de monde manifestés dans New York dimanche 2 juin pour supporter Israël pendant plusieurs milliers d'autres manifestés dans Karachi en faveur palestinien. Manifestation s'est déroulée quelques jours après l'administration Biden-Harris a présenté un plan pour ralentir et puis mettre fin à la guerre dans le territoire Gaza. Dans une interview, chef conseiller politique affaires étrangères gouvernement israélien Ofir Fagbaye, journal britannique Sunday Times, s'est fait connaître Premier ministre Benjamin Netanyahu d'accord avec la proposition président Joe Biden fait vendredi 31 mai. C'est pas mer plan, c'est vrai, mais nous vraiment besoin libération tout otage. This new proposal has three phases. Three. The first phase would last for 6 weeks. Proposition président Biden fait vendredi à prévoir une première phase côté à gain la donne une trêve à libération quelques otages qui n'ont même militants Hamas. Ensuite, le parti a négocié pour mettre fin dans hostilité pour deuxième phase là côté reste otages vivants yo à libérer. Ministre de défense israélien Yoav Gallant déclaré dimanche 2 juin, Israël pas accepté pour militants Hamas continuer de diriger territoire Gaza dans quel que soit étape processus pour ralentir et puis mettre fin dans la guerre. Pendant l'y ajouter, Israël a examiné alternative pour groupe militant islamiste. Hamas provisoirement accueilli initiative président Biden non, même si un officiel replace groupe là, Sami Abu Zougi déclaré dimanche, Hamas trois grands, trois gros. Pour soit président Biden ou bien premier ministre Netanyahu, mettez-la à côté. Conseil de sécurité nationale Maison Blanche John Kirby déclaré hier dimanche là sur chaîne télévision ABC si Hamas d'accord avec proposition pour mettre fin à la guerre dans le territoire Gaza, eh bien États-Unis espèrent Israël a pas accepté plan tout. Alors on parle de n'sfor drachim pour relancer les khatoufim שלנו. Premier ministre Benjamin Netanyahu déclaré lundi 3 juin que la priorité d'Israël dans le territoire Gaza, c'est détruire Hamas pour ne pas représenter une menace pour Israël, pendant que la chercher libération otage. L'objectif ça yo fait partie plan pour mettre fin à la guerre et que l'autorité dans le gouvernement approuvé.
Guerre Israélo-Hamas là a commencé 7 octobre 2023. Les yon groupe combattant Hamas a traversé frontière en Israël, côté a touré 1200 monde et puis prend en otage plus passer 250 Israéliens à l'étranger, d'après le gouvernement israélien. En réponse, Israël a lancé une opération militaire dans l'enclave là, côté l'étouillé, plus passer 36 000 Palestiniens, d'après responsable médical territoire Gaza. Israël fait connaître, il a perdu 290 soldats pendant la bataille là. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe et nous pourrons prendre la dernière ligne droite au programme. Merci d'être été branché sur VOA Creole. La même depuis Washington DC. Ou toujours sur VOA Creole, merci d'être toujours branché. Une organisation humanitaire qui établit dans la ville Orlando, réalisé pendant le week-end, une grosse activité qui baptisé Food Festival, Festival Manger, dans l'idée pour ramasser l'argent pour aider dans plusieurs projets dans le pays d'Haïti. Nous sommes sur place dans Orlando, Yves Montpremier. Mission humanitaire internationale, une organisation qui basée dans la ville Orlando, au centre de la Floride, réalisé pendant le week-end, une grosse activité qui baptisé Food Festival, Festival Manger. Membres communautaires qui te prend naissance dans une ville quelconque dans le pays d'Haïti, tant que Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïve, Ocaille, Saint-Marc, Miragouane, Inche, Pounsité Sayo, te représenté et puis exposé manger qui est populaire, la Caillou, tant que du riz à Clalo, banane à Griot, pistache grillé, maïs bouilli, tom-tom et la trier. Objectif, activité ça, c'est non seulement mettre en valeur culture haïtienne, mais tout ramasser l'argent pour financer divers projets de développement dans quelques zones dans le pays d'Haïti. Jean Leblanc, c'est un responsable activité ça. On travaille en fait du côté du nord-est, spécialement au PH, côté que nous gagnons Humanitarian Mission International, que nous sponsors, que nous travaillons avec tout le monde est là, ce sont des membres de la mission, pour lesquels nous travaillons. Mais cependant, nous devons faire des fonds de relevé pour nous continuer à travailler à la CAPFED. Donc c'est but objectif et festival de chaque année que nous organisons. Toujours premier samedi du mois de juin, nous organisons chaque année. Bon côté Pali, Madame Nicole Leblanc fait qu'on est. C'est main en main, c'est tête ensemble qui a changé le pays d'Haïti. Pendant que Patrick Guéris fait remarquer, mission a un pile projet pour Haïti. Entendez-vous, il y en a après l'autre. Pour Haïti changer, c'est pour chaque monde mettre les mains ensemble. Chaque ça nous fait, c'est si nous sortons dans la zone ça ou occuper la zone ça, moi-même, je suis au pêche, on est capable de Jacques Mel, on est en port de paix. Avec ça, nous sommes capables de faire un travail qui n'a qu'à changer. Il y a un pile travail pour le pays d'Haïti, son pays qui est chargé. Mais nous avons gommé pour avancer. Nous avons pile point que nous touchons dans le nord-est d'Haïti. Mais nous pouvons être satisfaits, nous travaillons toujours. Nous avons rappelé mission humanitaire internationale Kishita en dans la première église baptiste haïtienne Ville Orlando, déjà réalisé plusieurs activités dans Ville OPH, dans le département nord-est pays d'Haïti. Il a aidé également dans Port-au-Prince et dans Ville Jacmel. Dans Ville OPH, il a payé l'école pour Timoun, construit l'école, route communautaire et dispensaire pour bailler soin la santé. Yves Montpremier, VOA Creole, Ville Orlando, dans l'État Floride. Et bien, mes amis, dans la question sport, nouvelle la tombée en pile, monde tape tant de nouvelles. Ça, un bel officiel qu'on y a. Kylian Mbappé, c'est prêt à jouer Real Madrid, mais il n'y a pas qu'on fait officiellement présentation. Mais nouvelle là, officielle, c'est pour la prochaine saison. Et bien, Mbappé a pris parmi Galactico. L'officiel international français Kylian Mbappé pral passer 5 prochaines saisons liyo dans Real Madrid. Communiqué sa sortie dans moment Casablanca a célébré 15e Ligue Champion yo après victoire yo samedi qui s'est passé là sous club allemand Dortmund dans Wembley. C'est un communiqué qui mettait fin dans un feuilleton qu'il a depuis environ 7 ans. Mbappé toujours avoué que jouer dans Real Madrid c'est un rêve d'enfance, c'est un rêve depuis le petit. Champion d'Europe yo renforcé équipe yo ak yon superstar mondial qui s'est réalisé pi bon saison dans Paris Saint-Germain en France. À 44 goals, il était élu meilleur buteur pour 6 dernières éditions championnat de France. Mbappé, c'est un joueur libre avec un contrat qui a fini 30 juin qui vient là. À 25 ans, il a déjà gagné un carte de visite, un palmarès impressionnant, extraordinaire. Il est capitaine équipe de France là, qui pourra participer à la Coupe d'Europe des Nations. Kylian Mbappé a quitté ville fétiche là, Paris après 7 saisons dans PSG. 256 goals dans 308 rencontres, toutes compétitions confondues, avec toutes compétitions ensemble. Cependant, dernier moment, on a Paris Saint-Germain, et bien, t'es gagné un petit ambiance sombre et triste avec un paquet de causés, avec compte qui fait et la trier. Li élu 5 fois affilé meilleur joueur Ligue Première Division dans le pays de la France. Li champion du monde en 2018 et il était manqué champion du monde encore en 2022. On t'y crasse qui fait le pas champion. Li t'est arrivé Paris en 2017 après explosion dans le club Monaco. Cependant, il n'a pas réussi à Paris Saint-Germain, premier Ligue Champion, qui c'était un rêve.
Kylian Mbappé pral gagner pour évoluer bon côté anglais Jude Bellingham ak brésilien Vinicius Junior sous leadership Carlo Ancelotti. Gen moun ki di trio ça a fait que l'Europe sauter trois monsieur Sayo, trois gros joueurs football. D'après la presse espagnole, Mbappé ta doit toucher yon nan pi gros salaire club là, donc 35 millions d'euros pour chaque saison. Yon ti kaspiro que pas Vinicius avec Bellingham, mais c'est un salaire qui nettement plus loin que ça était qu'on touchait dans Paris Saint-Germain, soit 70 millions d'euros chaque année. C'est un bagage extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a Mbappé, après Coupe d'Europe des Nations, il y a possibilité que vous présentez officiellement by Fanatico dans la ville Madrid. Voilà, c'est l'histoire qu'a fait et Kylian Mbappé continue à faire l'histoire. Nous voulons saluer yon stagiaire qui avec nous, Jared Williams, so nous voulons dire welcome et pour le mettre confortable parmi nous, ça fait nous plaisir de nous recevoir moun la kay nou. Parce que Abela avec va traduire monsieur ça m'a dit là. Donc merci en pile pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est l'autre information que nous portons pour et ben nous aller directement dans le département la Tibonite pays d'Haïti côté en pile marchandise a passé en bas flamme du fait et ben dans le marché communal la Gonaïve là et bien après du fait fin prend dans le marché communal Gonaïve là dans la nuit lundi 3 pour l'ouvrir jeudi mardi 4 juin 2024 là plus des habitants fait qu'on est en pile marchandise passé en bas flamme du fait dans le marché d'après ça quelques marchands fait qu'on est les du fait lui-même l'été éclaté aucun pompier pas de faire intervention pour éteindre difficile là tout le monde qui est marchandise en dedans tout boule net difficile lui-même les prend les minuit concernant soirée et bien marchand qui était dormi dans espace là mais au même il pas tragitant pour sauver rien qui donc il a seulement cherché chapper pour lui pardon c'est déclaration une marchand lui-même lui ajouté pour l'ITGIS continue et bien pour être capable de sauver quelques bagages les mêmes l'ITGIS dans le marché qui donc l'ITGIS n'y a là pas de pièce qui est capable d'explication sur ça qui est à la cause du fait à l'éclaté. De l'autre côté, diverses marchands montrent la peine face avec la situation. Ça fait qu'on est non seulement ils perdent des marchandises mais tout. Il y a une obligation pour remettre l'argent ou même de prêter la banque. Nous fait déficit, prend la banque, qu'on y a tout comme ça, il y a des nets parce que dans le crédit, eh bien, nous vivons dans ça, machin, il y a même eu les verrous pour demander ses coûts avec autorité. Il y a une façon pour aider, il y a même avec l'argent, marchandise, ça, il y a même qui veut perdre dans le marché, qu'on arrive là, même si, eh bien, il y a un gros manœuvre beaucoup de population pour essayer d'éteindre les faire, mais machin, il y a même, yo pas si span à critiquer autorité yo nan mairie Gonaïv la li même qui d'après yo même pa jam voyer pompier vin aidé yo pour répondre à accusation si la et bien Kessner Pierre Charles li même qui c'est directeur exécutif mairie a déclaré camion pour éteindre di fè yo li même li pas fonctionnel et bien ça qui fait ko pompier a li même li pas capable agir nan cas si la et bien c'est gen démarche qui fait pour recapitaliser et bien mairie lui même a fait face à beaucoup de pas ministère intérieur avec la finance pour permettre mon yo même qui victime yo retourner dans marché encore et bien après promesse responsable lui même li fait pendant journée jeudi mardi 4 juin 2024 là après événement te fin passé dans marché n'a souligné di fait lui même li te prend dans espace ça plusieurs fois déjà contre situation pas jamais différent par rapport avec kounya là qui donc di fait prend mais dossier pompier pas arrivé aller pour ta éterni et bien ça qui va la cause en pile marchandise boulé dans aéroport international zone Kafou aéroport international Toussaint Louverture et bien la police boucanté coup de balle avec bandi dans Kafou aéroport même qui t'a des camions gaz et bien après coup de balle qui t'a metté côté finalement gang yo rivé quand même aller avec youn dans l'autre camion lui même qui t'ai prend balle et bien lui même li t'a boulé en pile marchandise ti marchandise yo même yo passé en bas flamme di fait et bien dans incident ça c'est tout qui donc nèg yo même qui pas suspend côté nèg examen même yo la cause camion gaz là li prend di fait Kafou aéroport yo di ma di à la même individu ça yo examen la cause di fait prend tout dans l'autre camion cité nèg gaz là pendant jeudi mardi dans zone Kafou aéroport selon radio télé galaxy action c'est là lui même li passé après bandi examen t'a essayé rentrer dou la détourner camion même pour rentrer dans zone pa yo selon déclaration chauffeur camion qui boulé li ba
n'a parlé de Radio Galaxy et l'on salue même li rapporté machine ça qui était plein gaz là arrivé prend du fait après machine là lui-même il était recevoir plusieurs balles ou bien impact balle sur lui et bien il expliqué ça arrivé fait dans moment quelques policiers nan blindé la police là les mêmes li tap empêché individu examiné détourner machine si là yo te tiré nan camion et c'est depuis en bas l'étape prend du feu puisque gaz là les mêmes l'étape tombé nan caoutchouc et puis yo moun ate li menm tap di chauffe sa ki apre sa li menm te koui ki te machine nan d'après parole yon citoyen déclaré c'est yon menm ki te rele pompier pou te vin éviter plis dega li menm li te fait nan camion si la li menm ki tap al pran di fè ak tout gaz mete sou sa yo fè konnen avant action li menm li te passé nan kafouari ou po bandi yo menm yo te getan détourné yon camion citen gaz li menm ki tap rale Delma 3 et bien yo précisé individu yo menm yo te fait chauffe sa li menm mené camion nan Delma 18 pendant dans ça n'a souligné Ariel indiqué le 3 juin 2024 par responsable yo nan terminal Varé te fait konnen ki gen yon afè descendre camion citerne chargé à gaz qui t'a quitté centre stocka ici là li même et ben pou kounya là selon plusieurs vidéos qui partagé sur réseaux sociaux yo et ben yon pompier ou rivé éternel di fait et ben faut nous dit tout malgré intervention pompier yo li pa empêché plusieurs marchandises pedi et ben marchandises yo que yo même yo t'a vendre nan route si toujours route rien pour avec Carrefour aéroport parce que bagay yo vraiment grave nan attaque qui nèg même yo t'a fait donc nèg examen yo même qui pas chômé en pile là-dedans yo gen pire mais ça pas empêcher tout yo continuer yo même y a bay population problème dans dossier qui gen pour avec dossier sac banditisme dans pays d'Haïti yon l'autre côté toujours dans dossier pays d'Haïti et bien animateur n'a parlé de Jide Daou les mêmes qui c'est ancien animateur radio Shalom FM et bien il mouri pendant journée mardi 4 juin 2024 là après les mêmes il était fini passé et bien en pile mati en bas une maladie qui t'a sacaeli et bien il était fait stroke et bien c'est un animateur qui était populaire en pile sous bande FM là et bien après goudou 2010 là les mêmes dans pays d'Haïti et bien il est arrivé joindre la molly pour elle là dossier yo papiti Hispan dénoncé des canons en bronze que yo même yo volé dans citadelle la Ferrière dans mois mai là institution li même yo ouvert enquête pour yo capable joindre qui côté canon ça yo passé yo même dit y a contacté Interpol pour yo ka retracer canon ça yo et puis arrêter moun ki ta gagné yo nan men yo n'a mandé et bien qui contrôle la série Hispan te baïa pour ça pas arriver et bien l'en connaît gen gros site historique yo et bien la gè sans contrôle gagné nan yo et bien c'est la moun yo toilette et bien gagné tourne c'est là dans moun yo même y a le fait bagaille fille ak garçon et bien ta kou forger avec faux Alexandre et bien dans l'ouest pays d'Haïti et bien c'est des côtés ou même yo abandonné soit fille à garçon yo prend yo fait hôtel y a fonctionné ou bien moun rentre y a fait besoin yo la donne sans aucun problème qui donc site historique yo même yo pas ba yo trop valer yo la gè yo n'importe gens ça li même li tapis et n'a pas le camion qui était boulé c'est dans zone vers iné après-midi dans zone Carrefour aéroport et même dossier si là li tap passé toujours dans dossier insécurité gam cap opéré dans rentre site capitale la pays d'Haïti précisément dans Mariani et bien yo utiliser stratégie pour fouiller toutes les affaires passagers qui utilisent la route là et bien pour chercher zama selon ça quelques moun yo même yo fait connait bandi yo mette accent sur physique avec prestance garçon yo comme quoi yo même y a chercher identifier passagers yo même qui ta policier qui donc nèg a mette tout gens de maille qui gagne yo façon pour capable de un bon contrôle dans ça faire pendant nous même autorité nous a dormi et bien yo même yo pas posé du tout yo même y a mette tout maille et en façon pour pas prendre dans anana pour sizan qui donc nèg yo même yo mette plus stratégie de yo que la police qui donc soit passé sur route ça nèg yo pas pécan pour fou yo bien garder pour yo et bien sous pas pour zame ou bien sous ces policiers qui a essayer passer en passager qui donc bagaille yo pas facile du tout là pour ta passer dans zone ça parce que eux même ou avoir bon contrôle pour passer sur yo dossier haïtien et puis République Dominicaine n'a pas pour faire passer à la qui t'a gagne gros diel fait et bien plusieurs haïtiens qui sont dans pays États-Unis qui d'après la République Dominicaine obligé tourner parce que ou pas quitter ou embarqué à cause de ces passeports haïtiens eux même yo gagné
d'après des citoyens haïtiens qui t'ap sorti pays États-Unis et bien yo rencontré sous route yo pendant yo même yo te gagné tant fin planifier tout voyage pour eux même yot aller en République Dominicaine week-end passé ya et bien les sans attendre agent immigration aéroport yo même li di yo pas capable aller qui donc voyage ça yo même yo parler avec plusieurs médias nous capable connait journaliste Lixon Saint-Ville li bay détail côté le fait connait les mêmes li voyer tout document voyage yo bay yo vérifier et bien yo dit yo gain résidence permanente pays États-Unis mais yo normalement et bien jusqu'à moment n'a pas la voilà là pour qu'on détail clair sur nouvelle musique et autorité dominicaine yo même adopté pour limiter voyager qui gain passeport haïtien rentrer sur territoire pa yo n'a pas le pays Suriname lui même depuis bien bonné les prisons te fin craser dans pays d'Haïti et bien de vous te gain passeport haïtien ou pas capable passer pour rentrer dans pays ta Suriname parce que yo même yo interdit passeport haïtien pile pays pa yo qui donc République dominicaine qui te bail ça bien rapide Nations Unies te parler et bien pour le département d'État américain était parlé, il était tourné sous décision et bien décision ta reprendre encore si incapable que journaliste Lixon Saint-Ville lui-même journaliste Caraïbe FM VOA créole et bien il fait connait il fait haïtien ça lui-même retourner la caillou toujours pays États-Unis dossier Biden dit décret qui lui prend lui-même pour concerner immigrants qui prend rendez-vous sous application CBP on et bien en conférence pour la presse li bail après signati décret président américain nan pour tous les mêmes encourager migrants eux-mêmes pour prendre rendez-vous sous CBP on plutôt au lieu de venir chercher rentrer illégal sous frontière pour demander asile autorité américaine au fait connait si un migrant pas fait l'argent yo mandé et bien depuis yo kembe il y a déporté là dans pays d'origine ou bien il y a voyé le tourner Mexique côté lui-même l'état sorti selon VOA créole toujours dans ça qui gain pour avant même Biden te fait déclaration nous fait sur dibou là Biden lui-même il était déjà signé un décret pour bailler ou bien pour pas bailler asile avec un migrant qui venir sous frontière Mexique là et bien illégalement selon président américain. Objectif décret ça les mêmes qui signé pendant journée jeudi mardi 4 juin 2024 là et bien c'est pour limiter quantité migrants qui viennent demander asile sous frontière illégalement dans ça et bien depuis aucun pays un migrant y a voyé la tourner dans pays là qui donc pays d'origine nous ou bien capable retourner Mexique tout et bien avec décision ça administration Joe Biden là les mêmes dans pays États-Unis pour quantité migrants y a recevoir sous frontière chaque jour atteindre seulement avec 2500 et bien étant donné chiffre yo même yo déjà dépassé 2500 autorité américain yo même avec décret ça et bien y a fermé frontière pour des semaines jusqu'à ce que yo atteigne chiffre ça ou bien pipiti que 1500 qui donc rentrer dans pays Biden nan bagay yo pas difficile trop que ça mais faut tann ou bien faut passer par application CBP on nan l'offin approuvé et bien wap gen accès pour capable rentrer qui donc demander asile illégalement yo pas prend ça nan mon parce que décret déjà signé là sinon yo capable déporter si haïtien Haïti ou bien yo capable tourner au Mexique pour attendre les voyages ou bien pour passer selon loi en parlant de Mexique n'a faut connait Mexique bah dossier sécurité elle-même li pas fin à 100% côté Yolanda Sanchez Figueroa et bien après avant élection yon candidat fin fermé campagne il mouri et bien lui-même qui magistrat municipalité Cotija lui-même dans état Michoacán et bien dans pays Mexique lui-même Michoacán c'est Mexique et tout et bien à partir l'ouest pays ici là lui-même yo touyel ak balle gouvernement état Michoacán lui-même li confirmé sa bail et FE que magistrat lui-même li affilié avec un parti Action Nationale qui le pendant lui-même li était assassiné lundi soir hier là même par un groupe criminel qui était saisi dans place principale Cotija et bien yon communauté qui tout préya qui donc dans état ça lui-même qui sorti dans Jalisco qui donc magistrat qui c'est une femme Yolanda Sanchez Figueroa lui-même li mouri par balle côté yo assassiné et dans fermé campagne pays Mexique là tout yo était assassiné yon l'autre candidat qui donc son pays qui pas trop facile du tout n'a pas tout c'est une femme qui fait prendre tête pays ici là comme président pour la première fois passé 200 ans que yo même yo gagné que yo gagné président libre dans tête pays si là de l'autre côté dans pays la France un citoyen de 63 l'année recevoir 7 coups de couteau avant hier samedi qui était 1er juin 2024 là pendant lui-même li t'a pral marié
c'est papa jeune fille 25 l'année li tap marié li même qui commet zaka cela à cause li même li pas d'accord avec mariage là qui donc pays la France là et ben citoyen c'est 63 l'année il te gagne même président français quand il là bon pas parler de ça le président li vient le marié à une dame qui gagne 60 combien l'année 73 ou 14 l'année madame li gagne et monsieur même Emmanuel Macron pas grand pile là et ben citoyen 63 l'année a qui d'après le mari avec yon fille de 25 l'année et mes papa de fille 25 l'année li même li bal 7 out couteau côté li même li pas d'accord pour mariage là li même li te fait pour qu'on y a la citoyen ça li même la prend soin dans l'hôpital la préserver criminel là li même li n'en garde à vie pour suite nécessaire qui donc li pas d'accord mariage là dit tout pas gagne pour le mari avec petite li souri dans tout là ça et petite là te gagne seulement 63 l'année action pas de fait mais li même li déjà fait dans pays ici là yon l'autre côté toujours pays États-Unis et bien dans New York et bien yon adolescent de 12 ans seulement li même li touye yon cousin de 14 l'année avec yon balle ça passé hier dimanche 2 juin 2024 là li même li était arrêté et bien li était obligé arrêté pour dossier homicide et bien les mêmes qu'il fait et volontaire par négligence criminalité et bien possession d'armes les mêmes sont adolescents seulement de 12 l'année qui touillent cousin de 14 l'année qui donc c'est ça qu'a fait mais c'est toujours miné pas miné et même qu'a fait ça si là yo de l'autre côté gros nouvelle insolite les mêmes qu'a fait actualité à c'est dans zone Porto Rico plusieurs milliers de gros couleuvres envahi Zile Porto Rico depuis semaine qui sont passé à là mais ça qui crée gros panique la caille population et bien une série de couleuvres d'un coup boa avec python et bien les mêmes qui a fait plus ça passer 10 mètres qui donc les ballons de 10 mètres de longueur sous même qui pas bien qu'on mette ou capable prendre jambon de voir plonger jambon bien large l'on fait 10 grands pas bien long et bien 10 mètres de longueur là où déjà avait pas n'importe qui couleuvre bien yo envahi Porto Rico et bien ça qui crée gros lobo et bien ça qui crée gros préoccupation la caille autorité tout parce que pas gain plus gros prédateur Porto Rico lui même qui ta capable manger dans gros serpent ça yo ça vient la cause c'est celle yo même qui ca manger l'autre tibet tankou chéché ou bien connaissait ou même remarqué couleur ça yo manger depuis ces oiseaux yo joine et bien ou même tout yo manger chat domestique yo tichin yo manger tout et bien qui ça qui gros danger pour biodiversité a et bien yo obligé bouté couleuvre ça yo meté yo dans un camion pour yo même y al fini ak en paix nan yo qui donc dossier ça yo papiti dit tout qui ça monde la prend là nous pa konnen gros couleuvre ça côté yo sorti envahir les Porto Rico nous poko qui donc on a tourné avec les détails pour sous dossier couleuvre yo même qui envahir zile si là nan Porto Rico. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification à mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde que tu t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.